Que s'est-il passé la nuit du 4 au 5 mars 2000? Pourquoi le corps de celle qui aimait s'exhiber dans les clubs et qui se faisait appeler la plus grosse poitrine d'Europe est retrouvée sans vie par son mari? Dépression, addiction, excès, troubles de la personnalité, autant de qualificatifs pour dépeindre une femme pourtant gentille et bienveillante quand elle abandonnait son alter ego excentrique pour redevenir la douce Ève Valois. Dans ce TVR aujourd'hui, je vous propose de retracer la destinée tragique jusqu'à la mort mystérieuse de celle plus connue sous le pseudonyme de Lolo Ferrari. Ève Geneviève Aline Valois naît le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand. C'est la deuxième d'une fratrie de quatre. Son père est ingénieur et sa mère professeure de tennis. Elle grandit près de la Baule, dans la région du Pays de la Loire, dans un foyer bourgeois où a priori elle ne manque de rien d'après les dires de ses amis de l'époque. Seulement pour cette petite fille blonde joyeuse, il manque quelque chose d'essentiel qui lui fera défaut toute sa vie. L'amour. Son père est absent la plupart du temps, occupé à voyager en outre-mer ou à l'étranger. Elle ne le voit qu'une fois tous les 6 mois. Quant à sa mère, bien que présente physiquement, elle est émotionnellement distante. Le vouvoiement est de rigueur chez les Valois. Chacun a sa place. Les enfants ne sont jamais pris dans les bras. Sa mère reconnaîtra que c'était de cette façon qu'elle pensait qu'il fallait éduquer les enfants. Mais que malheureusement, Ève aurait souhaité plus d'affection. Pourtant, elle lui en donne, à sa manière. Sa fille, elle ne la laissera jamais tomber. Elle lui sera même dévouée d'une certaine façon. C'est ce que vous allez découvrir un peu plus tard dans cette vidéo. La petite Ève grandit. Elle est solaire, gentille. On ne peut s'empêcher de la remarquer. Cependant, dans l'intimité, elle est dévalorisée par sa mère. Du moins, c'est ce qu'elle ressent. Elle n'est pas assez grande, pas assez jolie, elle ne sera pas capable de trouver un mari. C'est ce qu'elle confiera en interview. Sa mère dira qu'Ève exagère. Que c'est pour se faire plaindre? Où est la vérité? Probablement à mi-chemin. Ce manque d'amour extérieur n'était-il pas déjà le prémisse d'un manque d'amour de soi? Un événement se produit lorsqu'elle a 9 ans. On ignore de quoi il s'agit exactement, mais c'est probablement le départ de ce sentiment de spleen permanent. Y a-t-il eu un conflit entre ses parents? Le décès de quelqu'un de proche qui l'aurait meurtri? Ou est-ce que sur la plage naturiste, où elle se rendait avec sa mère parfois, elle aurait été victime de gestes déplacés? Un point de départ et beaucoup d'expectatives. Pour se sentir aimée, Ève a besoin du regard des autres, d'être vue, d'être admirée. Et cela passe par la recherche d'attention. Dès l'âge de 13 ans, elle découvre l'érotisme avec une copine. Puis à 15 ans, elle se met à sortir en boîte de nuit et multiplie les expériences de toutes sortes. On ne sait pas trop. Elle nous parle de sa première fois à 16 ans avec un homme de 35 ans dans une voiture. Puis dans une autre interview, elle évoque un trio qu'elle aurait fait avec un homme et sa femme à l'âge de 15 ans. En tout cas, elle aime le sexe et avoue avoir couché avec plus de 1500 hommes en l'espace d'une vingtaine d'années. Elle est exubérante et le prouve. Elle travaille en boîte de nuit et demande au patron de pouvoir laver les verres derrière le bar pour qu'on la voie. Encore et toujours ce besoin d'être vue. Et bingo, cela fonctionne. En 1986, sa vie est sur le point de basculer. Allô, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur ou madame Valois, s'il vous plaît? Oui, c'est madame Valois, c'est à quel sujet? Pardonnez-moi cet appel impromptu, je voulais échanger avec vous à propos d'Ève. Je me présente, je m'appelle... Éric Vigne. C'est le nom de l'homme qui a le culot de les appeler afin de rencontrer celle dont tout le monde parle à la Baule. D'après certaines sources, il était en prison lorsque des amis lui parlent de cette fille magnifique que l'on voit en boîte de nuit souvent. Ève est d'accord pour le rencontrer. C'est un beau parleur qui promet à ses parents que leur fille aura une vie extraordinaire à ses côtés. Ce qui n'est pas faux. On peut quand même se poser la question de ses réelles intentions. Car lorsqu'il émet le souhait de l'épouser, il ne l'a encore jamais vue. Il mettra plusieurs mois avant de monter la voir, faute d'argent selon sa mère. Il se marie en 1988 en petit comité. Il a alors 41 ans et Ève 25. Ils s'installent à Grasse, dans une maison payée à crédit par les parents d'Ève. Il ne travaille pas, mais a de grandes ambitions pour elle. Ils lui font confiance. Il s'agit de l'avenir de leur fille. Alors, tous les sacrifices sont possibles. Il lui prête 300 000 francs pour créer une société pour Ève. Ils iront même jusqu'à dormir sous une tente pour les aider. Toujours selon sa mère. Car Ève ne veut pas d'une vie banale. Elle ne veut pas travailler pour un petit salaire dans une petite discothèque de province. Elle veut briller à l'étranger, que son nom, que son visage soit mondialement connu. Et Eric a un plan pour ça.
De 1988 à 1995, on ne sait pas grand-chose de la vie d'Ève Valois. Certains diront que son mari la prostitue, qu'il est allé en prison pour ça d'ailleurs en 1992, au grand désespoir d'Ève qui se retrouvait toute seule sans son mentor. J'ai pas trouvé plus de détails sur cette affaire, qu'Eric Vigne juge comme étant des peccadilles dans la vie d'un artiste. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois marié, Eric Vigne en a fait sa muse, ou plutôt il est devenu son Pygmalion. Je vous invite à vous renseigner sur le mythe de Pygmalion, je ne vais pas vous mâcher le travail. Google est votre ami. Il ne fut pas difficile de la convaincre de débuter des opérations de chirurgie esthétique. Car n'oublions pas, elle voulait sans cesse s'attirer les regards. Tu seras magnifique, Maëve. Tu seras parfaite. Regarde, en affinant ton nez, en augmentant tes pommettes, tes lèvres, en tirant ta peau, en augmentant ta poitrine. Tu ne laisseras personne indifférent, Maëve. Personne. Il dessine sur une photo le résultat probable et cela convainc Ève. En tout, elle passera 28 fois sur le billard pour devenir Lolo Ferrari. Lolo pour sa référence à sa poitrine généreuse et Ferrari comme hommage à son grand-père décédé. Ses prothèses mammaires ont été créées sur mesure par un ingénieur spécialisé dans les Boeing. Presque 3 kilos dans chaque sein. On lui crée une brassière sur mesure. Car le poids à la longue est difficile à supporter. Elle devient ainsi la première poitrine d'Europe et la quatrième mondiale. L'authentique, la genuine, l'incroyable Lolo Ferrari. Allez. C'est clairement cette augmentation mammaire hors norme qui a propulsé sa carrière au sommet. On la voit partout. Elle danse dans les clubs, tourne dans quelques films. Et en 1996, participe au Festival de Cannes avec le film Camping Cosmos. Je déclare le 49e Festival de Cannes ouvert. Merci. De rien. Parenthèse, ce film est extrêmement malaisant. Franchement, je vous déconseille d'aller le voir. Il n'est pas très intéressant. Et en plus, il y a plein de références un peu pédo. C'est pas ouf. C'est la consécration pour elle. Tout le monde se la rappelle. Elle éclipse même Pamela Anderson, l'autre icône siliconée de l'époque. Elle est au top, on la réclame partout. Elle signe avec Sony et sort son célèbre single Airbag Generation. Évidemment, je ne passerai pas le son pour des soucis de droit d'auteur. Pareil, YouTube est votre ami. Elle a également des projets de création de vêtements, de lingerie avec son entourage qui n'aboutiront pas. Lolo est partout. Et son mari veille à ce qu'elle accepte toutes les opportunités qui se présentent. Lolo Ferrari, 36, 69, 70, 50. Même si celles-ci sont discutables et quelquefois préjudiciables. Elle pratique des striptease dans les clubs. Et les fans n'hésitent pas à la toucher. À vrai dire, tout le monde la touche. Regardez le peu d'interviews d'elle qui reste et vous verrez que les gens ne lui demandent même pas la permission. Ou que même parfois elle en joue puisqu'elle attrape des mains et elle les place sur sa poitrine opulente. Mais évidemment, ça met très mal à l'aise. De prime abord, cela ne semble pas lui déplaire puisqu'elle en joue. Cependant, l'une de ses craintes est qu'un détraqué un jour la poignarde. On lui propose des films érotiques qu'elle accepte. Et puis viennent les films pornographiques. 2 jours de tournage intense sous la houlette d'un producteur véreux qui fait des dizaines de scènes à partir des rushs tournés. L'expérience ne plaît pas à Lolo Ferrari. Elle dira que l'amour se fait dans l'intimité, pas devant les caméras. Ouais. Pourtant, pour m'être farci des films, franchement, elle est plutôt à l'aise. Hein. Très, très, très experte dans l'art de la pose graphique. Mais la gloire n'est que de courte durée et à un moment, le public se lasse. Les contrats pour se produire en boîte de nuit deviennent plus rares. Sa musique ne fonctionne pas non plus. C'est alors que son mari a eu une idée pour relancer sa carrière. Sommes à l'époque des boys bands. To Be Free, Spice Girls ou autres alliages cartonnent. Alors pourquoi ne pas créer un girls band de filles siliconées? Pour ce faire, sont recrutées 2 sœurs qui ont 19 et 24 ans et rêvent de percer dans la musique. Cependant, il y a une condition sine qua non. Elles doivent passer sur le billard pour obtenir une poitrine plus gonflée. Elle qui pensait se réveiller avec un 95D ont la malheureuse surprise de se réveiller avec un 105D qu'elles ne supportent pas. Elles poursuivent quand même l'aventure aux côtés de Lolo Ferrari qu'elles apprécient énormément. Celle-ci est adorable et a toujours un mot pour les encourager avant un show. Les Silicon Girls sont nées. Elles se produisent dans des clubs en Europe. Néanmoins, elles ne signeront jamais le contrat qui les obligeait à devoir régulièrement se faire opérer pour conserver un 105D. Car une poitrine refaite dégonfle et a tendance à diminuer avec le temps. Elles seront secouristes durant 3 ans et finiront par arrêter, dégoûtées.
étant régulièrement moquée à cause de cette grosse poitrine, qui fut un frein à leur carrière selon elle. Elles retirèrent d'ailleurs ces maudits implants quelques temps plus tard. Les rumeurs de prostitution concernant Lolo Ferrari vont bon train. Ses proches l'attestent dans un documentaire qui lui est consacré à titre posthume. Il y a eu une période où elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle a choisi de se prostituer. Elle ne se prostituait pas dans la rue. Elle allait à l'hôtel. Et parfois, son mari l'emmenait à l'extérieur pour qu'elle rencontre quelqu'un qui la payait pour ce qu'elle avait à faire. Cela se passerait après ses shows en boîte de nuit. Lolo coucherait avec plusieurs hommes pour 1500 euros. Elle parle dans l'une de ses interviews d'un gang mémorable après l'un de ses shows à Genève. Non filmé, bien évidemment. Était-il tarifé ? Dans l'intimité, elle semble fragile, enfantine. Dans sa maison laissée à l'abandon depuis son décès, on y trouve de nombreuses peluches, du rose partout qui rappellent l'enfance. Elle est loin de son image de bimbo autocentrée. Elle est très attachée à ses amis avec qui elle se montre extrêmement serviable. Elle adore sa famille qui avait honte de Lolo Ferrari. On était revenus, quand sortait, elle m'a dit « Maman, j'ai bien vu que vous aviez honte de moi. » Ah, j'ai dit « Oui, ma fille, j'ai honte de l'image. » Mais Lolo Ferrari fait partie des Valois. Et quelque part, rejeter l'une, c'est rejeter l'autre. Ce besoin d'être regardée à l'extrême, telle une bête de foire, la faisait probablement se sentir aimée, exister. Ève était presque invisible alors que Lolo ne passait pas du tout inaperçu. La cohabitation des deux était un combat de chaque instant. À la fin des années 90, les contrats se font moins nombreux. Elle vieillit, se rapproche de la quarantaine et surtout commence à envisager sérieusement d'avoir des enfants. À sa mère, elle confiera vouloir redevenir Ève, retirer ses implants, reprendre une vie plus simple. Seulement quand on souffre de dysmorphie, d'addiction et probablement d'une sévère dépression depuis des années, simplement vouloir le changement n'est pas forcément possible lorsque les démons sont trop forts. J'ai refait mon visage, j'ai refait mon corps, enfin mes seins, et maintenant j'ai plus rien à refaire et je suis très très malheureuse. Et je me dis, il va falloir que je refasse quelque chose parce que je me sens vraiment très très mal. Des fois, j'ai des petits moments de cafard et je me dis, je n'ai plus rien à refaire. Oui, je me détruis. Je suis détruite plus jeune. Je me détruis, oui, mais j'en ai besoin pour vivre. La destruction fait partie de la vie de Lolo. Elle tente de se jeter d'une voiture. Elle est addicte à de nombreux médicaments, comme les antidouleurs, car elle souffre du dos à cause de ses implants. Et ceci l'empêche également de dormir. Alors, elle prend des somnifères. Son entourage témoigne qu'à la fin, elle avalait les médicaments comme si c'était des bonbons. Une fois, on l'a vu mettre 60 gouttes de neuroleptiques dans une coupe de champagne, qu'elle a bu cul sec. D'ailleurs, dans les interviews, elle peine à parler. Oui, d'ailleurs, je voulais être médecin anesthésiste, voilà. Mais pour le nez, on ne vous a pas endormi ? La première fois, non. Vous avez dû souffrir le martyr ? Énormément, oui. C'est pour ça que je ne ferai plus. Ça ne vous rappelle pas une autre blonde, plus récemment ? Assez ironiquement, les films dans lesquels elle a joué résument parfaitement sa vie. Dans Quasimodo del Paris, elle est une fée qui insiste pour que le héros devienne beau à coups de baguette magique. Et dans Camping Cosmos, elle est une femme qui multiplie les aventures sexuelles, à la recherche de l'orgasme, qu'elle n'attend jamais. Et son mari, n'en pouvant plus, finit par la tuer et la jeter à l'eau. Les 6 derniers mois de sa vie, elle ne s'alimente plus, hormis avec du coca qu'elle ingère par litre. Elle souffre d'une bronchite chronique. Les quintes de toux constantes l'affaiblissent de plus en plus, et son mode de vie n'améliore pas du tout sa santé. Début 2000, l'icône amorce sa chute inéluctable. 4 mars 2000, c'est l'anniversaire de son mari Éric Vigne. Mais le soir, elle ne le fête pas avec lui. Elle passe la soirée avec un certain Antoine, dit Monsieur A. Il est inspecteur de police monégasque, père de famille. C'est un ami d'Éric qui est très proche de sa femme. En effet, Lolo en est folle amoureuse. Ils sont amants depuis quelques temps. Antoine voudrait qu'elle parte aux États-Unis, pays de la démesure, où sa poitrine serait beaucoup plus appréciée. Il l'imagine déjà cartonner dans des clubs de striptease. Ils se retrouvent ce soir-là dans un restaurant échangiste de la région. Ève est mal en point. Elle est si faible. Elle ne fait que tousser. Un peu plus tard, vers 22h30, il la dépose chez elle. Pour la première fois en 13 ans, Ève préfère dormir seule pour ne pas déranger son mari. Celui-ci s'endort sur le canapé devant la télé. Vers 8h, il monte voir Ève, profondément endormie. « Dors bien, ma Ève, dors bien !» murmure-t-il en l'abordant. En veillant à ne pas la réveiller car elle voulait dormir tout le week-end. Toutefois, à 14h, n'entendant plus aucune quinte de toux, il remonte dans la chambre, un peu inquiet. Ève est toujours allongée dans sa nuisette rose, immobile. Il s'approche d'elle. Lui touche le front. Il est glacé. Ève ! Ève ! Ève, réveille-toi ! Réveille-toi, Ève ! Ève, ma Ève !
Réveille-toi. Il comprend qu'elle est partie pour un dernier voyage sans retour. Il reste prostré auprès d'elle pendant une heure pour accompagner son âme, dit-il, avant d'enfin appeler les secours. Ils arrivent et constatent le décès de celle qui aura marqué les enfants des années 90. L'histoire pourrait en rester là, mais c'est le début d'une véritable bataille juridique concernant les circonstances troubles de sa mort. Le premier rapport d'autopsie révèle qu'elle a avalé une dose importante de citalopram, un antidépresseur, et de dipipéron, un neuroleptique prescrit dans le cadre de la schizophrénie et des psychoses, qui ne doit pas être utilisé en interaction avec de l'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. Ce cocktail a probablement été à l'origine de sa mort, accidentelle ou non. La famille d'Ève est persuadée qu'Eric y est pour quelque chose. Des traces d'hématomes sur les jambes, sur la fesse et sur le cou ont été constatées par les secours à leur arrivée, indiquent peut-être une mort plus criminelle. La famille d'Ève porte d'ailleurs plainte contre lui pour non-assistance en personne en danger. Le fait qu'il ait attendu une heure avant de prévenir les secours le rend automatiquement suspect. On peut aussi s'interroger sur cet amant mystérieux qui ne refera jamais surface et dont on n'entendra plus jamais parler. Alors, mort accidentelle ou assassinat. Ève était dépressive. Tout le monde le savait. Dans l'intimité, elle exprimait ses états d'âme, sa mélancolie. Combien de fois elle me disait « Sonia, je suis pas aimée, personne n'y m'aime. » Je lui dis « Arrête ton chat, bon Dieu. Moi, je t'aime. » Mais dès qu'elle sortait, elle devenait exubérante. Ces derniers mois ont été particulièrement compliqués. Le couple faisait face à de grandes difficultés financières. Les contrats étaient plus sporadiques et elle sentait que son heure de gloire, tout doucement, lui filait entre les mains. Elle prenait de plus en plus de médicaments, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Combien de fois est-elle tombée à cause d'eux ? La mort, elle y pense. Quelques semaines avant la fin, elle se rend dans l'entreprise de pompes funèbres d'une connaissance. Elle souhaite préparer son enterrement. Son amie lui dit qu'elle a tout le temps, pourtant Ève tient à tout organiser. Elle veut un cercueil blanc comme ceux des bébés, sa robe préférée, ses lettres d'amour et son ours en peluche. Winnie l'ourson. Elle tient à être incinérée et non enterrée. Car l'idée d'être dévorée par les vers comme le petit chat dont elle s'occupait et qui est mort l'effraie au plus haut point. Mais tout ça ne suffit pas à corroborer la thèse du suicide. Aucune lettre d'adieu n'est retrouvée, elle qui aimait tant écrire des petits mots d'affection à ses proches. Aucun médicament non plus, puisque son mari veillait à lui donner ce dont elle avait besoin, quand elle était à la maison tout du moins. Sa tête est retrouvée presque à la verticale de son corps, combinaison avec le poids des prothèses et une grande prise de médicaments favorisant une perte de connaissance, plus ou moins importante, Ève aurait très bien pu s'asphyxier sans s'en rendre compte. Elle n'est pas incinérée comme dans ses souhaits, car le doute demeure. Sa famille est persuadée qu'Eric Vigne l'a tuée. Elle n'en démord pas, la justice non plus. On apprend que des photos d'Ève dans son cercueil ont été vendues à la presse allemande, à la demande d'Eric, par une de ses amies, pour payer enterrement. De plus, il était peut-être plus contrarié qu'il ne voulait l'avouer, par la relation extra-conjugale non cachée de son épouse. D'après son frère Franck, il l'acceptait pour se soulager. Mais lorsque sa femme découche le soir de son anniversaire, qui plus est avec un homme qui cherche à la faire travailler aux États-Unis, on peut se questionner s'il l'a tout aussi bien tolérée. Si pas rentrée avant 8 heures, divorce. Peut-on lire sur l'un des murs de la chambre? Peut-être est-ce un petit plaisantin d'urbexeur qui l'a inscrite. Mais en tout cas, ce n'est pas l'écriture d'Ève. Et la menace, même si elle ne prouve pas le meurtre, montre une part de dysfonctionnalité dans ce couple. Autre point troublant, aucun médicament n'avait été retrouvé dans la chambre d'Ève le jour de sa mort, ni par son amie lorsqu'elle était venue la ranger. En revanche, Eric a apporté aux enquêteurs, en juin 2000, soit 3 mois après la mort d'Ève, un sachet rempli de médicaments, découvert 15 jours après le drame, sous son lit. Les témoignages des voisins accablent Eric. L'un d'eux affirme une voiture a même déposé Ève à 7h du matin. Et non, 22h30, comme il a pu l'affirmer. Qui croire ? Coup de théâtre en février 2002. Il est mis en examen pour meurtre et conduit à la maison d'arrêt de Grasse. Le parquet avait réclamé en avril 2001 une seconde expertise médico-légale qui avait conclu qu'aucun élément probant ne permettait d'éliminer une cause mécanique extérieure par suffocation qui aurait précipité la mort. La dose de médicaments n'étant pas suffisante pour provoquer le décès, mais tout au plus un coma. Ainsi, Eric aurait très bien pu étrangler sa femme. Il reste 13 mois en préventive, clamant son innocence et se faisant chahuter par les autres détenus. Son avocat, maître Gilles-Jean Portejoie, après une longue bataille de 8 ans, réussit à le faire innocenter. Il
Il se voit décerner un non-lieu ainsi qu'une indemnité compensatrice de 30 000 euros pour sa détention. Le juge d'instruction avait demandé de nouvelles expertises qui avaient conclu que la mort d'Ève était bien due à un surdosage médicamenteux par citalopram potentialisé par la présence d'autres produits psychoactifs. La justice le reconnaît non coupable, mais aux yeux de la société, il reste particulièrement suspect. Je n'ai quasiment rien trouvé sur Eric Vigne. Certains témoignages le dépeignent comme un proxénète, d'autres qu'il aimait s'habiller en femme, que Lolo Ferrari était quelque part son fantasme à lui, et l'image de la femme qu'il aurait rêvé être. Pour Yvette Valois, la mère d'Ève, c'était un mari contrôlant, qui gérait toute la vie de sa fille. À la fin, il signait Ève Eric les courriers de cette dernière quand elle n'avait plus la force d'écrire. 2 mois après la mort de Lolo, on présente à Eric Vigne une jeune Anglaise, avec 130 de tours de poitrine, pressentie pour devenir sa nouvelle poule aux œufs d'or. Il n'en est rien pourtant. S'il avait voulu la tuer, confie-t-il, il aurait juste eu besoin de lui laisser les médicaments et de partir. Dans son état de dépression, elle n'aurait pas supporté. Et s'il l'avait étouffée, il aurait pris la poudre des scampettes. Lorsque le magazine Gala l'interview en 2020, il est agacé et répond « Écoutez, allez voir Lolo quand vous serez décédé comme elle. Puis vous irez lui demander des détails. Hmm ?» Et vous verrez que tout ce qui a été dit était faux. Ce qui est sûr, c'est que cet homme ne fait rien pour attirer la sympathie. Son physique androgyne évaporé, ses réponses franches, trop franches dans un contexte public, ne l'ont pas aidé à convaincre de son innocence. Il avait l'allure du suspect idéal et un passé plutôt douteux. Pourtant, cela ne fait pas de lui un meurtrier, mais le doute demeure. Et aujourd'hui, il vit très vraisemblablement avec son frère Franck, en Essonne. Leur maison à Pémenade est laissée à l'abandon. Il existe de nombreuses visites d'urbexeurs à l'intérieur de la maison de notre Lolo Ferrari. On peut y trouver ses vêtements ou encore ses médicaments. Il ne reste presque plus rien d'elle, hormis un souvenir très présent dans l'esprit des enfants des années 90, qui comme moi ont été fascinés par cette femme solaire, au physique hors norme, et qui dégageait une douce aura de naïveté. Passez au cimetière de Roumiguière à Grasse, vous tomberez peut-être sur cette tombe blanche anonyme, sur laquelle pourrit des plantes en plastique posées dessus il y a longtemps, et sous laquelle la dépouille d'Ève subit son inexorable décrépitude. Je suis personnellement assez révoltée par cette histoire. Parce que ce drame, à mon sens, aurait pu être évité. La conscience professionnelle du chirurgien esthétique était inexistante. Déjà parce qu'il a opéré une femme souffrant d'une sévère dysmorphie et probablement de troubles psychologiques et qui lui a posé des implants à la limite du supportable, beaucoup trop lourd pour sa morphologie et qui a donc provoqué des douleurs et donc la prise de médicaments et la lente addiction qui s'en est suivie. Je l'ai opérée parce que je savais qu'elle était capable d'accepter cette intervention, qu'elle était capable d'y faire face et que quelque part, son désir était tellement puissant, tellement fort. Elle avait tellement envie de changer sa vie. Elle avait tellement envie de travailler. Elle savait qu'il fallait qu'elle en passe par là, que je l'ai opérée vraiment en toute quiétude. C'est un suivi psychologique, voire psychiatrique, dont elle aurait eu besoin. À moins qu'il me manque une info, je ne pense pas qu'elle ait été suivie à ce niveau-là. Le couple Ève-Éric était fort étrange, on peut le dire. Quelque part un peu mal assorti, mais comme beaucoup d'autres couples dans le monde. Je pense que dans cette relation, chacun y trouvait son intérêt, que ce soit du côté d'Ève ou du côté d'Éric. Et que dire des parents d'Ève, qui ont quelque part encouragé cette union? Lolo Ferrari, c'était la création d'Éric. Est-ce qu'il se prenait pour Pygmalion? Elle, qui voulait par tous les moyens être aimée de tous, et telle Galatée a été animée par Aphrodite. Ce mari qui se voulait démiurge a fini par se transformer en docteur Frankenstein, en exhibant sa créature un peu partout. Jusqu'au jour où cette dernière a peut-être voulu prendre la fuite avec un autre. On ne saura jamais, ça ne reste que des suppositions. Et Eric Vigne a été innocenté pour le meurtre de sa femme, je tiens à le préciser. Il est innocent, aux yeux de la justice. Donc on va pas le calomnier, je pense qu'il a assez souffert. Mais néanmoins, je me devais de relayer toutes les informations, toutes les rumeurs qu'il y a eu autour de l'affaire. Je pense que c'était important de le savoir et de mettre au jour les différentes hypothèses qu'il y a pu avoir avant qu'il soit innocenté. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous laisse me mettre en commentaire un mot. Le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Lolo Ferrari. Ce TVR touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner. Ça m'aide pour développer cette chaîne et surtout continuer de vous proposer des sujets qui sont assez peu traités dans le YouTube game.
Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Passez une belle journée, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite, sûrement avec un story time. Un story time super croustillant d'ailleurs sur ma dernière expérience dans le milieu porn. Enfin, c'était pas vraiment le milieu porn. Vous allez voir, c'est vraiment glauque. C'est une histoire que j'aime pas trop ébruiter, mais fallait que j'en parle. Surtout après cette vidéo. J'arrête de parler, prenez soin de vous et cœur sur vous.